Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne EDP Jackie. Donc aujourd'hui, unboxing d'une toile que j'ai reçue de chez DAC. Je l'avais commandée le 31 décembre et donc je l'ai reçue aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier. Donc 15 jours pour arriver alors qu'il y avait les fêtes, je trouve ça vraiment génial. Je suis impatiente de vous la montrer, donc j'ai juste ouvert là. Voilà. Et on y va. Ma première DAC. Hop. Hop, le petit bon. Voilà, la voici. Je vous montre. C'est un petit renard en diamant rond et elle fait 51 cm sur 64 cm. Voilà, je suis impatiente de l'ouvrir pour vous montrer à quoi elle ressemble. C'est parti. Hop, hop, hop. On y va. Je n'ai jamais eu de toile de chez DAC. C'est vraiment ma toute première. Donc, je suis vraiment impatiente de voir. En tout cas, j'ai au niveau emballage, rien à dire. Hein. C'est vraiment fantastique. Hein. Entre le gros carton. Entre le gros carton d'emballage, plus celui-ci, plus là, le plastique, c'est au top. Hein. Alors, effectivement, ouais, c'est vrai que chez DAC, ils font le petit autocollant, la petite vignette. Regardez. Sympa, hein. Alors, c'est la première fois que j'ai un tout kit chez DAC. Donc, je vais regarder. Je ne sais pas ce que ce sera sur la table. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Un stylet. Alors, à l'intérieur, donc nous avons un stylet, nous avons un multiplaceur, ça c'est un multiplaceur de 4, une petite mousse, entre bien, stylet bleu, deux petites wax en forme de cœur, hop, elle est belle, elle est transparente, oh, j'aime beaucoup, je vais m'en servir souvent, et puis plein de sachets, donc, ça c'est vraiment fantastique, ça c'est vraiment très bien, un beau tout kit, ok, super. Très bien, très bien. Hop, je remballe ça. Je remballe ça. Hop, et je mets ça de côté. Allez, on y va. On ouvre. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pouf. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, elle est un peu abîmée là ici, mais bon, c'est pas très grave. Elle est vraiment superbe, franchement. Donc du coup, j'ai des notices. Donc je les ai ici en fait au niveau des diamants. Hein, les références ici. J'ai les références également en bas. J'ai la petite photo, la petite image qui se trouve en bas. Voilà, waouh, waouh, waouh. Alors, franchement, mon Dieu, l'impression. Regardez-moi ça. Alors là, je crois qu'au niveau impression, on ne peut absolument rien dire. C'est du top, top, top. Alors, la qualité de la toile. Ah non, franchement, j'adore. Ouais. Ok, je comprends les prix maintenant. Alors celle-ci en fait je l'ai eu avec des frais de port, elle m'est revenue à 52 €. Il y avait 15 € de frais de port, mais j'ai eu 9 € de remise. Donc voilà. Ah alors on y va. Donc ça c'est le petit doc de DAC, ok, qui explique comment il faut faire. Et là, ah ouais, c'est génial. Ok. Donc voilà. La petite feuille de route. Et effectivement, donc c'est pareil, c'est autocollant. Et tout s'en va en fait, hein. Les petites étiquettes là ici, elles s'en vont, ça c'est vraiment génial. Et là, oh j'en ai oublié, j'en ai mis une sur moi là. Elle a 31 couleurs. Hop, superbe. Oh elle est belle. Alors ça y est, là, je suis impatiente de la commencer. Alors j'ai tellement de projets en cours, ah, j'aurais jamais dû acheter une DAC. J'ai trop de projets en cours, c'est pas grave. Donc on y va, on va regarder les diamants. Ok, ça se présente comme ça.
D'accord. Donc j'ai regardé, c'est des ribambelles, c'est une ribambelle, ok. Ok, bon, on y va. Hein. Est-ce que j'ai du AB là-dedans? Aucune idée. Non, il n'y a pas. Hein. Non, il n'y a pas de AB. Alors, on y va. Donc, magnifique ribambelle de couleur. Donc, ça, c'est du marron, du noir, hein, c'est du 1939. Du beige, du vieux rose, voire violet, du vert. Hein. Alors, ça, c'est du marron. Ça c'est du beige, du rose, violet, encore du violet, rose, du rose beige, on va dire ça comme ça. Ça c'est du rose aussi, un peu flashy, du violet, du blanc, de l'orange, un peu plus clair. Voilà, et franchement, elle est vraiment magnifique. Ensuite, on a encore l'autre ribambelle, une deuxième ribambelle dans les. Ah, si, j'ai du AB! Alors, après. J'en aurais qu'un, apparemment. Voilà. J'ai une partie en bleu, donc j'ai une, deux. Alors, en fait, ça, c'est la même couleur. Hein. J'ai deux sachets, hein. Le bleu, encore un bleu, un rose, un par un autre rose. Super mignon. Et là, je vois que j'ai. On aura à la fin. Alors, du rose encore, du violet, du brun, du bleu, et là j'ai du bleu AB. Alors je vais vous dire c'est lequel, c'est du. Alors c'est écrit 100, 180, ça doit voir. 136, c'est écrit, je vais vérifier quand même sur ma petite feuille de route, du violet et puis du brun. Alors là, celui-là c'est écrit 136. Mais pas hein, si c'est du AB en fait. 136. Non, bah écoutez, j'ai du AB. Trop bien. 136, donc ça correspond au numéro 2. Et le numéro 2, bah, je sais. Ah, si, le numéro 2 en fait. Ça va être ici. Je vais vous montrer un petit peu. On va mettre un peu en carte, cette jolie toile. Apparemment, ça va me faire tout le contour en fait du ici, là, ici, tout le contour en fait. Ça va être super chouette. Ouais, et là, j'en ai pas non plus à vérifier. Écoutez, je suis tellement impatiente. Franchement, je suis vraiment impatiente de la faire. Elle est vraiment super, super belle. Donc, c'est ma première DAC. J'en ai jamais eu, voilà, j'ai longuement hésité parce que j'avais pris, c'est quand même pas donné, c'est quand même des toiles qui sont très chères. Mais voilà, après je me suis dit, allez hop, de toute façon, je vais reprendre le travail, autant me faire plaisir. Voilà, donc celle-ci, ben, je la ferai, ben, je ne sais pas quand, un jour certainement, mais je pense assez rapidement quand même. Même si j'ai plein de projets en cours, mais franchement, elle est vraiment trop belle. Magnifique, elle est vraiment magnifique. Je suis. Oh, elle est vraiment trop belle. Regardez ce petit renard, c'est trop beau. Franchement, trop belle. La qualité de la toile est superbe. La qualité de l'emballage, il n'y a absolument rien à dire. Là, elle a été un tout petit peu. Peu froissé, on va dire, mais je sais pas, elle a été mal pliée, mais bon, à part ça, sinon vraiment génial. Hein. Donc, dessus, vous avez effectivement les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver DAC, Facebook, Instagram. Enfin, voilà, donc vraiment superbe toile. Donc, en 51 par 60, je ne sais plus, j'ai dit tout à l'heure, par 64. Ah, si, il y a du AB, c'est noté dessus. AB. Il y en a qu'une quoi. Voilà, j'ai qu'une référence de AB. Mais bon, ah non, peut-être pas. J'ai mal regardé en fait. Ça aussi, c'est du AB. Faut que je change mes lunettes. Hein. Regardez, le rose. C'est du AB aussi, ça.
Donc en fait là j'ai deux AB. Alors je revérifie. Du coup j'ai le rose en AB, j'ai du bleu en AB, donc ça me fait deux AB. Ça c'est pas du AB, hein. C'est pas du AB du tout. Donc hop hop hop. Ouais, non bah finalement j'ai que deux AB, donc du rose et du bleu. J'avais pas fait attention du tout quand j'ai vu les diamants. Donc là c'est du. Le 126, hein. Et le 126, c'est la couleur 1, c'est le 1, ça correspond au numéro 1. Et le numéro 1, et ben, je sais pas où c'est, je verrai ça là ici. Ah voilà, ok. Donc en fait, ça va être au niveau de la moustache, on va dire, de la bouche en fait du renard. Apparemment, ouais, ce serait là. Ouais, là ici, du 1, tout le tour en fait, ici. Du renard. Ah ouais, sympa, hein. Sympa. Très bien. Très bien. Puis c'est bien fait, les ronds sont bien faits en fait pour délimiter les diamants. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais, bah dis donc, je suis vraiment agréablement surprise. En plus, je l'ai reçu en 15 jours, c'est incroyable. Incroyable. Avec tout ce que j'ai pu entendre sur DAC, comme quoi ils mettaient des plombes, ils mettaient un certain temps en fait, les toiles arrivaient et plus les frais qu'il pouvait y avoir. Mais finalement, moi j'ai eu de la chance, elle arrive en 15 jours, j'ai eu 15$ de frais de port, mais c'est tout finalement. Donc voilà, très bien. Donc je suis assez contente de cette toile, je la trouve vraiment très très jolie, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une toile que j'ai pas trop vue sur les réseaux sociaux, à moins que j'ai pas dû regarder les bons... Les bons réseaux, mais bon, j'ai pas trop vu cette toile. Je la trouve particulièrement jolie, jolie, jolie. Franchement, elle est très très belle. Ok, bah, superbe. Voilà. Donc, l'illustration est de Jérémia Kettner. Franchement, génial. Superbe, superbe. Bah, voilà, c'était pour cette toile. Et bah, je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing qui n'aurait pas tardé. Et je vous remercie encore de me suivre. Bye bye.